issue de l'Inde. Et on rencontre Léna, c'est une jeune femme française, professeure d'anglais, qui va partir en Inde après un drame personnel. Elle va prendre un petit peu de repos et de distance en Inde, et elle essaie de fonder une école. Une école dans cette région du monde où les enfants et les filles en particulier ont assez peu accès à l'éducation. Alors je ne vais pas tout dévoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu le dessin volant, mais sachez qu'on retrouve les personnages de la scène. On reçoit évidemment une atmosphère, une culture et des paysages, puisque ça se passe en Inde. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous aviez besoin de revenir à cette culture-là et de reprendre ce fil de la scène? En fait, au départ, je n'avais pas prévu d'écrire une suite, une forme de suite à la presse. Et puis, pendant la promotion de la presse, j'ai reçu une lettre d'un lecteur qui m'écrivait pour me dire que le livre l'avait beaucoup touché parce qu'il était lui-même instituteur à la retraite, français donc, et il était parti en Inde pour fonder une école dans un petit village du Rajasthan, une école pour les enfants intouchables. Et il me proposait de lui rendre visite au Rajasthan, de venir dans l'école et de venir rencontrer les enfants. Cette lettre m'a profondément émue, d'autant plus qu'il m'a envoyé aussi une photo qui avait été prise dans la cour de son école au Rajasthan, où on voyait trois petites filles, trois petites intouchables qui tenaient le livre, qui tenaient la presse, en tout cas entre leurs mains. Et la photo m'a profondément émue. Je me suis dit que finalement, la réalité rencontrait la fiction. J'avais raconté dans une fiction l'histoire d'un personnage, d'une petite fille qui n'avait pas la chance d'aller à l'école. Et cette fille-là, elle était côtoyée tous les jours dans l'école qu'elle avait créée. Et donc, suite à cette lettre, moi je lui ai répondu, on a commencé à engager une correspondance, et puis on s'est rencontrés, on est devenus amis, et je suis allée dans l'école au Rajasthan. J'ai passé du temps avec les enfants, et notamment avec les petites filles, avec les jeunes filles, qui m'ont beaucoup raconté ce qu'elles vivaient dans leur famille. Et quand je suis rentrée de ce voyage, je me suis dit, pour moi, c'était comme une évidence que j'allais écrire un livre de toute cette aventure et puis de toutes ces rencontres et de ce courage aussi de cet enseignant français qui, au jour de sa retraite, se dit, j'ai pas envie de m'arrêter, je vais poursuivre l'aventure autrement et qui met son savoir à la disposition de ses enfants. Qui n'était pas du tout scolarisé, parce que c'est un village où personne ne sait écrire, aucun des adultes, aucune des familles, il n'y a personne qui sait écrire. Donc j'ai trouvé que c'était complètement insolite et vraiment ça a été le point de départ pour écrire ce roman. Vous n'avez pas gardé du tout cette histoire pour vous, je comprends. Alors l'instituteur, vous aurez compris qu'il devient une institutrice dans le roman, c'est cette française qui s'appelle Léna. Qui part en main. Donc, au départ, elle n'a pas forcément prévu de rester, hein. C'est un parcours pour ses vacances. Et finalement, elle va rester et c'est surtout lié à sa rencontre avec un deuxième personnage féminin qui s'appelle Priti, qui est une jeune indienne. Et cette jeune indienne, elle appartient au Red Brigade. Le Red Brigade, qu'est-ce que c'est? C'est ces groupes autonomes exclusivement féminins qui s'entraînent pour à l'autodéfense, à des techniques d'autodéfense, pour assurer la protection des femmes en Inde. Alors, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler en Europe, mais elles existent vraiment, elles existent depuis une dizaine d'années. Comment est-ce que vous les avez découvertes, vous, ces brigades, et pourquoi ça vous semblait peut-être important d'attirer l'attention sur ce type d'organisation qui a, je crois, pas tellement d'équivalent, en fait, on a très parlé, donc c'est très. Oui, c'est bien, j'ai été découverte par un reportage que j'ai trouvé sur Internet et je n'avais pas connaissance de ce phénomène qui est assez rare, effectivement. Donc, en Inde, on n'était pas sujet à de nombreuses violences, discriminations, injustices. Et ce petit groupe, au départ, c'était un petit groupe d'une quinzaine de femmes qui a été créé dans le nord du pays il y a 10 ans. Par une jeune femme qui elle-même avait été victime d'agression et qui a constaté que finalement la police n'intervenait pas. En Inde, les agresseurs ne sont jamais punis et s'en prennent bien souvent aux jeunes femmes des bas de classe, donc souvent des intouchables. Et elle avait des femmes ont décidé de s'organiser en fait pour se défendre, donc elles se sont formées au sort de combat. Et puis le mouvement il s'est développé, en fait, il est parti de l'UCLO, et puis il y a eu des groupes qui se sont créés dans d'autres régions, dans d'autres pays. Et
maintenant dans toute l'Inde, il y a vraiment des milliers de jeunes filles qui font partie de ces brigades, et l'idée, c'est de former les femmes en self-défense, parce que si elles ne savent pas se défendre, personne ne leur viendra en aide. Et c'est vrai que j'ai été très inspirée par ces femmes qui sont très jeunes, hein, dans les reportages que j'ai vus, certaines ont 11 ou 12 ans. Hein, et ce sont toutes des rescapées d'agression, notamment des rescapées de viol. Et du coup, de voir ces très jeunes femmes avec cette énergie, cette volonté aussi de former les autres et d'aider les autres, ça m'a beaucoup inspirée et j'avais envie de lier le dessin de Léna, de cette enseignante, à une jeune femme, donc Priti, qui est la chef de la brigade, Anna Balboa. Donc, Priti, c'est un personnage que j'ai créé, mais en m'inspirant de l'histoire de ces brigades et puis en m'inspirant de certains témoignages des chefs de brigade. C'est pas du tout la vidéo de tout à l'heure, je me suis renseignée un petit peu et je trouve qu'il y a, je crois, plus de 40 000 femmes qui ont été formées par ces brigades. Donc, c'est quand même un mouvement prend une certaine ampleur et qui donne, comme vous disiez, beaucoup d'histoires et d'énergie, voilà, de savoir que de très jeunes femmes s'emparent de ces questions-là et s'organisent en tout cas. Alors justement, le cerveau-là, c'est de nouveau une histoire de femmes, vous commencez à le comprendre, et les femmes qui toutes se débattent un petit peu avec leur condition de femme. Dans vos précédents livres, dans la traite, on suivait, vous savez, trois personnages féminins, donc Smita, Julia et Sarah. Puis, toutes les trois, d'une manière ou d'une autre, refusaient un petit peu de se laisser atténuer à la place de leur réserve. Ensuite, dans votre livre, les victorieuses, l'histoire se passe en grande partie au Palais de la Femme, qui se trouve à Paris. Et le Palais de la Femme, c'est un refuge qui a été créé spécialement pour la protection et pour la réinsertion de femmes en difficulté. Et dans ce nouveau livre, dans le cerf-volant, à nouveau, il y a trois personnages féminins, on a parlé de deux personnages hommes, il y en a un troisième, et ce sont des femmes qui font face, soit au mépris, soit au viol, soit au déclassement social, et soit au mariage forcé également. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment, que c'est quand même quelque chose qui revient de livre en livre, de créer une œuvre féministe avec ces différents livres? Oui, tout à fait. En gros, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, j'aime voyager, j'ai eu l'occasion de me rendre dans beaucoup de régions du monde, et à chaque fois que j'ai pu discuter avec les femmes que je rencontrais, j'ai toujours été frappée de voir toutes les discriminations, toutes les inégalités qui perduraient encore aujourd'hui, en 2021, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Russie, enfin, j'ai envie en tout cas de raconter ça, ce que les femmes doivent affronter au quotidien. Alors bien sûr, parfois il y a des discriminations extrêmement visibles. En Inde, les violences contre les femmes sont extrêmes, elles comme ne sont pas considérées comme des égalités hommes, elles sont inférieures. Donc ça, c'est quelque chose qui est communément admis dans la société. Dans notre société à nous, ces violences sont beaucoup plus invisibles, quoique. Tellement de féminicides, tellement de choses dont sont victimes les femmes aussi. Moi, je suis en tant que femme, ça me bouleverse. Je suis aussi maman d'une petite fille et donc je me dis, j'ai envie de raconter, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de montrer dans l'espoir que les choses continueront à évoluer vers plus de justice et plus d'égalité. Je suis quelqu'un d'optimiste et donc j'ai envie de prôner un féminisme. Je ne crois pas du tout à la guerre des sexes, je ne crois pas du tout à la lutte des femmes contre les hommes. Je crois au contraire qu'on peut faire évoluer nos sociétés, on peut faire évoluer les mentalités vers un monde plus juste. En tout cas, c'est ce que j'espère pour ma fille et puis pour les futures petites filles à venir. Oui, c'est pour ça que c'est très important aussi que ce livre soit décliné en sa bonne jeunesse. En tout cas, ça me fait du bien de savoir que ce livre-là, ces histoires-là seront aussi lues par des petites filles. Alors, justement, votre personnage de Léna, face à la situation de ces jeunes indiennes qu'elle rencontre, souvent sont obligées de travailler très très jeunes, hein, dans des ateliers de construction, et puis pour brûler les bêtises, vous savez, c'est les petites cigarettes très fines qui sont complètement malades partout à travers le monde, ce sont souvent des petites filles en fait, qui ont des cigarettes, donc des petites filles qui n'ont pas accès à l'école, qui sont souvent contraintes à des mariages forcés. Face à toutes ces situations qu'elles rencontrent, les mères nous répondent
elle fonde cette école. Pourquoi est-ce que l'éducation serait la clé pour vous de... Moi, je crois profondément en l'éducation. Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la seule issue, en fait, pour toutes ces petites filles et jeunes filles dont je parle. C'est que le fait d'être pris l'éducation, ce qui est encore le cas dans beaucoup de villages en Inde, où on considère que les filles n'ont pas besoin d'être éduquées, ben, ça maintient en fait, ça maintient les filles et les femmes dans une situation d'infériorité, ça les empêche d'être indépendantes financièrement, ça les empêche d'évoluer. Et puis, en Inde, il y a beaucoup de mariages précoces. Moi, j'ai rencontré des petites filles de 13 ans, parce que je dis à petites filles parce qu'à 13 ans, je considère qu'on est encore une petite fille, des petites filles de 13 ans qui étaient mariées, qui attendaient leur premier enfant, qui avaient été à l'école et qu'on avait retiré l'école pour les marier. J'ai vu une petite fille de cet âge-là pleurer toute la journée de son mariage, parce que pour elle, sa fille était terminée. Et finalement, le fait de scolariser ses enfants leur permet de reculer l'âge de leur mariage, permet aussi de reculer l'âge de leur premier enfant, parce que ce sont des femmes, dans ces villages où j'ai été, ce sont des femmes qui ont 6 à 12 enfants et qui sont très pauvres. Donc, c'est aussi un cercle vicieux. Comme elles sont mariées très jeunes, elles ont beaucoup d'enfants qu'elles peinent à nourrir. Donc, elles marient leurs filles, les filles sont mariées très jeunes parce que ça fait aussi une bouche de moins plus tard à nourrir. Et c'est un cercle vicieux qui entretient la pauvreté et qui entretient la condition d'infériorité des femmes. Et donc, l'éducation, c'est la seule voie pour toutes ces jeunes filles de s'en sortir. Et ce qui m'a vraiment frappée dans les discussions que j'ai eues avec elles, c'est qu'elles en sont extrêmement conscientes. Moi, j'ai parlé avec des jeunes filles qui me disaient « Tous les matins, je me lève avec l'angoisse que mes parents me marient. » Alors, l'une d'elles est venue demander à son instituteur de la protéger. Elle a dit « S'il te plaît, est-ce que tu me protégeras? Si je me marie, est-ce que tu les en empêcheras ?» Parce qu'elles savent que étudier, aller au collège, aller au lycée, peut-être faire des études supérieures, leur permettra de s'appeler au mariage forcé et puis leur ouvrira un autre chemin, une autre voie. Et c'est vrai que dans ces villages-là, les métiers sont faits de mère en fille, de père en fille, et ce sont des conditions pour les intouchables. Les intouchables sont des métiers extrêmement difficiles, des métiers que personne d'autre ne peut faire. Et bah, pour toutes ces jeunes filles, l'éducation représente vraiment le seul espoir de s'en sortir. Et aussi de sortir leur famille, parce qu'une jeune fille qui va faire des études, elle va peut-être avoir un métier un peu plus digne, un peu mieux rémunéré, et peut-être qu'elle va aussi sortir toute sa famille de la misère. Donc c'est une chaîne vertueuse. Je vous citer ce chiffre absolument hallucinant dans le livre. Je suis le reprendre à deux fois, parce que ça paraît fou, il y a 25 000 petites filles qui sont mariées par jour dans le monde aujourd'hui. Et à vous, on sent que voilà, l'éducation, ça vous tient à cœur, vous avez parlé de votre politique. Quel a été votre propre rapport à l'école? Moi, je salue, voilà, j'ai mes parents dans la salle, ma maman enseignante qui a enseigné toute sa vie, ses collègues, qui sont également enseignants qui m'ont connu enfant. Moi, j'ai vraiment été élevée dans un très grand respect de l'école, de la vie républicaine, enfin. On a toujours dit que l'école donnait les mêmes chances à tout le monde. Je sais qu'on est très chanceux dans notre pays d'avoir cet accès à l'éducation. Et pour moi, j'étais une enfant qui. J'ai toujours aimé l'école. J'adorais l'école, j'adorais apprendre. J'étais une enfant curieuse, j'étais très studieuse. J'aimais bien faire, j'aimais travailler, j'aimais apprendre. Donc j'ai vraiment eu mes années d'école, mes années étudiantes ont été des années très heureuses. J'ai eu aussi la chance de rencontrer des professeurs formidables qui m'ont donné l'envie d'écrire, qui ont encouragé mon envie d'écrire, qui m'ont passionné pour des grands textes, pour des grands auteurs. Et ce genre de professeurs vous change la vie en fait. Donc moi j'ai vraiment un rapport à l'éducation. Je remercie vraiment mes professeurs et c'était important pour moi d'écrire un roman pour mon héroïne sur une enseignante. Justement, je savais depuis longtemps qu'un jour j'écrirais sur l'enseignement, sur l'éducation. Là, c'était vraiment une occasion rêvée pour moi de le faire. Et je trouve qu'on est à une époque où les professeurs parfois sont moins respectés qu'avant. Avant, la figure du professeur était une figure importante qu'on respectait. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus difficiles pour les jeunes enseignants aujourd'hui, je pense.
Et j'avais envie, moi, de mettre un projecteur sur ce métier. Et j'avais testé aussi, oui, c'est une sorte de dommage, en fait, aussi, qui font l'éducation. Oui, c'est un très bel hommage que vous leur rendez. Et ça m'intéresse que vous disiez, parce que, en même temps, ce personnage de professeur qui s'appelle Léna, donc, vous montrez bien qu'elle est quand même un petit peu émoussée, que sa passion n'est plus tout à fait la même. Voilà, peut-être par son respect qui s'amuse comme ça au sein de l'école, qui a parlé un petit peu des conflits avec l'administration, du manque de moyens, des violences éventuellement à l'école. Est-ce que vous êtes inquiète quand même, malgré tout, quant à l'avenir de l'enseignement, y compris en France, ouais. Pour écrire le livre, j'ai pu questionner, bien sûr, ma mère et les personnes qui ont enseigné à cette époque, et aussi j'ai pu questionner les jeunes enseignants qui sont aujourd'hui dans des villes aisées et dans des quartiers plus difficiles. Et oui, je suis quand même inquiète parce que leurs témoignages étaient parfois des témoignages pour eux. J'ai entendu notamment un jeune enseignant qui est plein d'énergie, plein d'envie, etc., et qui se heurte à des difficultés, à des conditions de travail difficiles, à des vitres cassées dans la classe, ou alors le chômage qui tombe en panne en fait hiver, qui ne paraît pas tout de suite, quoi. Les locaux qui sont dégradés, des classes très très chargées. Et puis aussi, ce que j'ai découvert aussi en parlant avec les chefs d'établissement, c'est de l'hostilité de certains parents élèves. Moi, j'ai entendu vraiment des choses. J'ai entendu une proviseure me dire qu'elle avait été agressée physiquement par un parent d'élève, parce qu'elle avait confisqué un portable. Elle me disait aujourd'hui que le portable est la cause numéro un des conflits entre les professeurs et les parents d'élèves. Et je me suis dit, mais alors que ça m'inquiète beaucoup, que l'autorité des enseignants ne soit pas menée par une affaire de téléphone portable, ça me dépasse un peu, en fait. Je trouve que tu pourrais interdire les portables dans les établissements scolaires, mais c'est à de parents d'élèves que je parle. Voilà, et du coup, je suis forcément inquiète sur l'évolution des choses. Quand certains professeurs ont dit qu'ils ont parfois peur, ça m'interpelle, bien sûr. Et papa et maman sont très dans cette page, vous avez entendu le message. C'est vrai qu'on a aussi tous en tête, malheureusement, les drames très récents. Je pense à cette maladie, enfin, des choses très très graves hein, dans notre cas de la relation entre les parents et les enseignants. Voilà, l'école, c'est un point qui est une désertion, malheureusement, des métiers de l'enseignement. Mais peut-être qu'on pense en partie, voilà, d'avoir un retour à ces questions qui sont évidemment centrales dans notre vie à tous. Alors, pourquoi les enfants viennent à l'école, dans le cerf-volant, mais là, on comprend très très vite qu'il va falloir justement négocier avec les parents. Les parents qui, bien souvent, en fait, comptent sur la présence des filles à la maison pour la régie du domicile, etc. Et pour ce faire, pour être sûr que les filles ne viennent pas, elles ont décidé d'offrir des repas. Voilà, d'offrir des repas pour qu'elles soient plus perçues comme des bouches à nourrir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et là, vous inspirez un système qui existe en Inde et qui a encore un peu une particularité mondiale. Est-ce que c'est la solution, cet échange nourriture contre l'envoi des tickets à l'école? Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, c'est une solution. Dans plusieurs villages où j'ai été, les enfants, les gens ont faim. En fait, dans les familles très nombreuses dont je parlais tout à l'heure, quand vous avez 10 à 12 enfants, il y a très très peu d'argent, mais parfois on a un seul repas dans la journée. Moi j'ai rencontré des gens qui comptaient que parfois ils boivent l'eau de cuisson quand ils se disent qu'ils n'ont rien d'autre à manger. Et donc le fait de dire à l'école, vos enfants seront nourris à la cantine, ils auront un vrai repas dans la journée, ça incite malgré tout les parents à les envoyer là-bas. Et l'instituteur Jacques, qui m'a inspiré cette histoire, me confiait que au début, il avait été un peu débordé quand il a fait ça, parce qu'il y avait une financière qui venait manger le midi, en fait. Il se retrouvait à la cantine avec les parents, la grand-mère, le troupeau de chèvres qui était juste devant l'école, et puis les autres enfants. Donc, il a pu aussi un peu mettre le haut là, mais du coup, il a, c'est aux familles, ouais, il alimente des sacs de riz, des sacs de lentilles aux familles qui en ont besoin, parce qu'il n'imagine pas laisser les gens mourir de faim. Mais ça a nécessité une petite organisation, mais en tout cas, pour les parents dans le village, c'était un argument qui vraiment leur a parlé.
Et aujourd'hui, ils ont pu aussi les emparer de plus en plus tôt, parce que certains étaient annoncés aussi pour le CDG. Donc, là, voilà, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui passent leur journée entière à l'école. Il y en a même certains qui restent dormir. Ils ont construit la maison de gardien, ils ont construit une extension pour les petits qui voudraient rester dormir, qui n'ont pas comme ça à faire le trajet trop long, et puis qui mangent aussi le matin et puis aussi le soir à l'école. Alors, je le disais tout à l'heure, Léa, au départ, quand elle arrive en Inde, elle n'a pas forcément prévu de rester. Et d'ailleurs, à un moment donné, son visa a expiré, et donc elle est obligée de retourner en France. Et en fait, très très vite, elles ne se sont plus du tout à sa place, elles se sont appelées en Inde pour mener ce projet de fonder une école jusqu'au bout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de plus vous sentir à votre place et de vous sentir comme ça, d'être investi dans une mission en fait, de plus se sentir à sa place, je ne peux pas dire que j'ai vraiment eu ce genre de sentiment, puisque j'ai toujours eu la chance d'exercer la profession que j'avais envie d'exercer. En revanche, j'ai eu, comme dans toutes les carrières artistiques, il y a des hauts et puis il y a des bas, je crois que c'est inhérent à toute carrière artistique. Et c'est vrai que dans les périodes dites plus difficiles, je me suis interrogée sur mon activité, le sens de mon activité, et sur la place que ça prenait dans ma vie. Et donc j'ai eu aussi envie de, quelque part, de prendre du recul. Et de, quand j'ai décidé d'écrire ma presse il y a quelques années, c'était une période, ça a été une période difficile dans ma vie professionnelle, au cinéma, j'avais des projets qui étaient difficiles à monter, qui étaient très longs, des projets que je devais trouver, qui finalement ne se sont pas montés. Donc c'était aussi l'occasion d'une remise en question, qui a été une période douloureuse. Et en même temps, il m'a permis peut-être de faire un petit pas de côté, de faire autre chose, de me dire peut-être qu'il y a d'autres, voies, il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Et j'ai écrit ce roman à presse, je n'imaginais pas que qui serait publié, je n'imaginais pas ce qui s'en suivrait, mais quelque part, ça m'a aussi appris que des moments plus douloureux sont parfois l'occasion de remise en question, et c'est parfois c'est une chance, en fait, c'est parfois des échecs ou des sentiments d'échecs qui peuvent vous faire avancer, donc c'est quelque chose que dans lequel je crois beaucoup. Oui, d'ailleurs, c'est un drame aussi qui conduit Léa, enfin, je trouve très difficile de sa vie qui conduit Léa à partir en marche. Découvrir ce qui arrive, et voilà, ça donne aussi beaucoup d'espoir dans ce sens-là, le cerf-volant, parce que c'est une femme qui arrive de cette période très difficile à trouver le moyen de rebondir. Alors, je disais un petit peu en introduction tout à l'heure, l'Inde, c'est un personnage à part entière de ce livre, avec son millier de couleurs, son millier de senteurs, les nouvelles qui sont montées de monde, et puis le paradoxe aussi très très fort de ce grand pays. Alors, malgré la condition des femmes, vous en avez parlé, qui évidemment c'est un sujet particulier, mais en même temps, on sent vraiment toute la tendresse que vous avez pour ce pays, pour sa population, pour la culture, pour la spiritualité aussi qui est présente à plusieurs endroits du livre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cet instituteur du Rage de Sang que vous avez rencontré par le courrier. Mais est-ce que vous avez découvert l'Inde avant? Comment ça s'est passé en fait, votre rencontre avec ce pays, et qu'est-ce qui vous fascine autant en Inde? Ma rencontre avec ce pays, elle date de 2007, c'était mon premier voyage en Inde. En fait, j'étais assez impressionnée parce que j'avais été approchée par un producteur bollywoodien qui souhaitait faire le remake de mon premier film à la Folie Balikou en version bollywoodienne. Donc, c'était de l'accepter, j'espère. Oui, j'ai accepté. Il y a eu d'ailleurs plusieurs versions. Il y a eu un film bollywoodien et puis il y a eu une série aussi de 300 épisodes. Très typique, vraiment tout à fait dans le film aussi de Bollywood, donc j'ai regardé avec un certain plaisir. Mais j'étais tout à fait flattée que mon travail intéresse un producteur indien, et donc il m'avait proposé de venir me rencontrer à Bombay. Donc je suis partie, voilà, une dizaine de jours à Bombay. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'à la fois j'avais visité les grands studios, j'ai rencontré les grandes stars hollywoodiennes qui sont vraiment considérées là-bas comme des dieux, enfin ils sont adulés comme des dieux. Et en même temps, il m'a fait visiter des quartiers extrêmement pauvres, des quartiers vraiment de pêcheurs, des quartiers difficiles. Et j'ai été très surprise par ce contraste-là.
Et je suis devenue très amie avec sa femme qui s'appelle Sita, qui est aussi le nom que j'ai donné à l'héroïne de la presse. Et Sita a proposé de, voilà, de me raconter son pays. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu visiter ces choses avec non pas un guide touristique, mais des Indiens, une femme, un homme qui vivait, qui était en train de vivre ce pays au quotidien. Et en un coup, c'est une aventure. Traverser la rue à Bombay, c'est une aventure. Il y a 8 voies, il n'y a pas de signalisation, il n'y a évidemment pas de passage piéton, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Donc, vous risquez votre vie à chaque instant. Et en même temps, ce qui m'a étonné, c'est la mentalité qui est tellement différente de la nôtre, une forme de philosophie, certes, parfois on pourrait dire aussi de résignation. En tout cas, j'ai eu envie d'en savoir plus. Sur la spiritualité indienne, sur la culture. Et du coup, je suis retournée ensuite, j'ai fait différents voyages en Inde. Pour la fête, je suis partie aussi à Tirupati, le grand temple dont je parle dans la fête. Voilà, il y a 5 heures de montée à pieds nus dans la montagne pour aller jusqu'en haut du temple. J'ai fait tout ça, j'ai vécu tout ça, j'ai rencontré des gens sur le bord de la route, j'ai discuté avec des petites filles qui s'accrochaient à moi, qui voulaient être prises en photo. Et finalement, ce pays, il m'a vraiment appelée. Et à la fois, il me fascine et il me terrifie. Et je crois qu'en tout cas, tout est intense et tout est extrême en Inde. Et chaque voyage que je fais là-bas, vraiment, est une aventure. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été en Inde, j'imagine que oui. C'est vrai que c'est un pays qui ne laisse jamais indifférent dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de pays qui nous perd plus les repères que celui-là, tout domaine confondu. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous disiez que vous avez visité l'Inde autrement qu'en tourisme, visité par cette SMICA, parce que vous en profitez un petit peu dans le salon pour récorter un peu ce tourisme indien, vous savez, ces gens qui vont faire du yoga, mais dans des univers en fait très privilégiés et qui sont complètement coupés des réalités de l'Inde, où ces touristes qui sont peut-être en train en quête de parasites artificiels. Enfin, ça, c'était un peu une autre époque, vous savez qu'il y a une grande époque des voyages en Inde, voilà, pour à Goa notamment, pour d'autres raisons que découvrir la culture et la spiritualité indienne. Et ce qui est très beau aussi, je crois, ensuite, c'est que la langue indienne est très très présente. Vous nommez les choses par leur nom indien, il y a d'ailleurs des petites notes en bas de page pour traduire. Et donc on entend cette langue dans le livre. D'ailleurs, votre personnage, Léna, elle va se mettre à apprendre la langue tamoul à un moment donné. C'est pas important pour vous aussi que cette musique, cette langue soit présente au cœur du texte? Oui, ça fait aussi partie du détaillissement qui est complet quand on va en Inde. Ce qu'on voit, ce qu'on mange, des odeurs aussi en Inde, les personnes qui ont été en Inde parmi vous, peut-être se souviennent aussi de toutes ces odeurs et senteurs. C'est vraiment un univers que j'avais à cœur de décrire le plus précisément possible. Et à travers l'écriture, je me replongeais dans tous ces faits, dans ces visites de marché, dans ces visites d'école, dans ces villages, dans ces. Et finalement, l'écriture, c'est une façon de voyager en tant que tel aussi. Ce roman, Le cerf-volant, je l'ai écrit pendant le confinement, je l'ai écrit durant l'année qui s'est écoulée. Et finalement, j'ai eu le sentiment, j'étais dans mon bureau, chez moi en région parisienne, j'ai eu le sentiment d'avoir passé mon année là-bas en Inde, en fait, quelque part. C'était aussi une façon de partir de cette réalité et puis de partir ailleurs. Parmi les senteurs très très fortes en Inde, c'est rigolo parce que c'est un autre auteur qui est sur le salon, qui est un auteur jeunesse, qui a été instituteur, qui s'appelle Pierre Gem, qui a été instituteur et notamment instituteur pendant 2 ans en Inde, dans des écoles indiennes, et qui parlait de l'odeur des fleurs de jasmin qui existent dans un cheveu qui embaume absolument sur la classe. Donc ça fait partie vraiment des souvenirs olfactifs très forts qu'on garde sur cette chose, parce que c'était il y a 15 ans, je crois, son expérience en Inde, mais voilà, il y a encore. Dans les narines, cette odeur du jasmin. Dans ce livre, Le cerf-volant, vous citez à plusieurs reprises des contes, des fables, qui est de façon assez discrète, mais ça m'a frappé. Vous parlez des bonnes fées, par exemple, vous évoquez la campagne, vous parlez du petit prince, vous parlez de cette fable indienne qui s'appelle Le corbeau et le bâtard, qui est un équivalent
du corbeau et des renards. Quel imaginaire est-ce que ça représente pour vous les contes? Et oui, quand on voit que ça vous inspire, pourquoi vous voulez que ce soit présent dans le cerveau, dans cet imaginaire-là, de l'enfance? En fait, le cerveau-lent raconte qu'on a parlé de Léna et les trucs dont on a parlé, et le troisième personnage qui est au cœur du roman, c'est une petite fille que Léna va rencontrer au début du livre et qui va être déclencheur pour être de rester vraiment des deux à l'école. Et tout le monde de l'enfance, j'avais à cœur aussi de l'illustrer par ces références-là aux contes, aux histoires. J'étais très amusée d'entendre cette fable du corbeau et du renard parce que c'est notre corbeau et le renard, c'est exactement la même fable qui existe là-bas dans le sud de l'Inde et que tous les enfants connaissent sur un corbeau qui a attrapé un beignet. Et les renards, c'est des petits beignets qui sont dans avec les jeunes nés qui sont très bons. Et du coup, le renard arrive et lui demande de chanter pour récupérer le badac qui tombe directement dans la bouche. Et je me suis dit finalement, tous ces contes, toute cette culture-là du conte, étonnamment, elle traverse le monde. Et moi, je sais que mon enfance a été bercée par ces histoires, par ces contes, par le petit prince que je cite dans le livre. Et donc, je voulais aussi raconter ça, parce que c'est un livre qui parle de l'enfance. Et c'est vrai que l'Inde, c'est vraiment un vivier aussi à l'histoire. D'ailleurs, vous citez quelques grands textes en disant le Mahabharata, qui est ce grand poème épique de l'Inde, c'est vraiment un pays aussi où les histoires, on peut en dire jusqu'à la fin de sa vie. Il y a quelque chose aussi de très cinématographique dans ce livre. Donc là, on va revenir un petit peu à ce que vous avez fait avec ces adaptations. On sent vraiment, en lisant les cerfs volants, que vous pensez aussi par image, par scène. Il y a un flashback d'ailleurs, à un moment donné, au début du livre. Et puis quand Léna rêve, quand elle songe, vous avez cette phrase, vous dites que les images lui arrivent en désordre, comme si d'un coup on aurait mélangé les bobines. Donc voilà, on sent aussi votre patte là, de scénariste, de cinéaste, d'actrice. Comment est-ce que ça s'articule pour vous, ces deux activités de cinéaste et d'écrivain? Pour moi, c'est très complémentaire. C'est vrai que quand j'écris un livre, je travaille finalement comme je travaille pour écrire un scénario. J'imagine des scènes, en fait, je visualise des scènes et j'essaie toujours de placer mes personnages en situation. C'est vrai qu'au cinéma, à partir du moment où on ne peut pas vraiment être descriptif au cinéma, ou alors tout de suite on devient ennuyeux. On est obligé de placer les personnages dans des situations concrètes, de les voir agir. C'est pour ça qu'on parle des acteurs. Et j'essaye de faire ce même travail en fait quand j'écris un livre. Je visualise mes personnages, je visualise des situations très concrètes. Et je pense que c'est ce qui donne sans doute à mon écriture un aspect cinématographique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement. Alors même qu'il n'y a quasiment pas de dialogue dans mes livres, il n'y a quasiment pas de description des personnages physiques. Je décris très peu physiquement les personnages, mais en même temps, je les place en situation. Je travaille beaucoup en musique. J'essaye toujours d'imaginer quelle pourrait être la bande-annonce du livre. C'est-à-dire qu'elle danserait des scènes clés, des scènes emblématiques, des scènes charnières. Et cette manière de travailler, je l'ai depuis que je travaille pour le cinéma, donc c'est quelque chose qui m'est naturel en fait. Et je pense que de façon assez inconsciente, ça influe aussi mon travail d'écrivain. Alors peut-être que vous pouvez nous dire deux mots justement des adaptations ou pas. Donc vous nous dites où vous en êtes, comment ça se passe justement cette adaptation d'après, et puis cette adaptation de Victor Gus, puisque on disait ça peut faire l'objet d'une série. Oui, alors l'adaptation d'après, c'est un film que j'ai écrit et que je m'apprête à réaliser, qu'on a tout décalé à cause du Covid, puisqu'on tournera en Inde, en Italie et au Canada, et malheureusement tout était prévu l'an dernier avec les. Évidemment, mais la situation qu'on connaît. Donc, si tout va bien, normalement je dis si tout va bien, on ne sait jamais exactement ce que l'année en venir, mais on devrait tourner en 2022. Je devrais partir en Inde en janvier. Et pour ce qui est des victorieuses, le livre est en cours d'adaptation, donc sous forme de série. Moi, je supervise l'écriture, je n'écris pas directement parce que je n'ai pas le temps de tout faire, mais j'ai deux scénaristes qui travaillent. Qui ont écrit une adaptation qui me plaît beaucoup. Voilà, ça va se mettre au chaîne de télé là,
dans quelques jours. Et donc, c'est un projet au long cours parce que tout réécrire et tourner une série, voilà, ce serait un petit 8 fois 52 minutes. Voilà, ça prend un peu de temps, donc plutôt d'ici 2 ans ou 3 ans. Bonne patience encore. Alors, je reviens un instant au titre, le cerf-volant, qui est le titre de la HES pour ce livre, on n'en a pas encore parlé. Le cerf-volant, c'est en fait un des rares jouets qui est très répandu parmi les petits enfants, qui est très souvent avec des feuilles de journaux que vous racontez dans les livres. Quel symbole est-ce que c'est pour vous et pourquoi vous voulez que ce soit le titre de ce livre? Les cerfs-volants, oui, c'est très frappant quand on va en main de voir tous ces enfants jouer, notamment dans les villages, les enfants fabriquent les cerfs-volants eux-mêmes, ils n'ont pas d'autres jouets, en fait, ils les fabriquent avec des vieux morceaux de papier et du cuir. C'est assez étonnant de voir que c'est devenu quasiment un sport national parce qu'ils font des grands concours. Bah, quand même, ils se mettent en danger parce que moi, j'ai vu des enfants qui sont montés sur le toit d'une maison pour me montrer, pour les faire voler haut leur cerf-volant. Parfois, ils prennent aussi des risques. Et quelque part, j'ai pris une photo de trois enfants à tout âge sur un toit dans un village qui joue au cerf-volant et je me suis dit, mais c'est un joli symbole, c'est évidemment un symbole de l'enfance et puis c'est un symbole de l'élévation. Et c'est ce qu'on souhaite évidemment à tous ces enfants qui sont nés dans des conditions difficiles. Donc je trouvais que c'était un symbole intéressant pour le livre. Vous avez cette phrase que j'ai notée, puisque comme la balançoire, le cerf-volant part tout seul pour monter dans les airs, et étant les lois de la gravité, il en sera de même que ces enfants nés de la misère qui s'élèveront par l'éducation. Alors, on a l'impression que tous vos personnages, je crois qu'on a bien entendu encore une fois au cours de cet échange, que tous vos personnages, de plus en plus, se tiennent un petit peu par la main, et presque un relais qui s'en sort de livre en livre entre ces différentes femmes, ces filles. Est-ce que vous croyez, vous, qu'il est possible d'être liée par le dessin, par une forme de solidarité, par-delà les frontières, par-delà les générations? Oui, je crois beaucoup à ça, à la solidarité, oui, à la fraternité, à la sororité, bien sûr. Je crois que ce thème-là du bien, il est vraiment au cœur de mes trois livres, de manière différente, mais dans la presse, le lien, il est bien sûr invisible, il est inconscient, il est beaucoup plus explicite dans mon deuxième roman, Les Victorieuses, qui là, sont des femmes qui vivent dans un foyer d'accueil pour femmes, et où va naître une forme de sororité. Je crois à ça. En tout cas, je rêve d'un monde plus solidaire, c'est sûr, et je pense que le fameux petit battement d'aile du papillon dont on parle, celui qui le papillon qui va pas se solidaire dans un coin du monde et qui va provoquer un ouragan à l'autre bout du monde, oui, je crois tout à fait à ça. En tout cas, typiquement, j'avais envie de tirer un des fils de ma traite et puis de continuer à le citer avec ce cerf-volant, et j'imagine que l'aventure pourra aussi continuer dans le futur. C'est quelque chose qui me plaît et c'est aussi quelque chose qui est important dans ma vie à moi, le lien aux autres. Alors, peut-être une dernière question, et peut-être qu'on aura le temps de vous laisser en poser une ou deux. Après, il y a des dédicaces, donc c'est très important aussi. Je sais qu'après, vous avez un train à prendre, donc il va falloir être sur le coup. Si vous voulez une dédicace, peut-être pour terminer, vous parlez de tirer l'un des sujets de la presse. Alors, vous êtes très occupé avec les adaptations cinématographiques. Est-ce que vous pourriez imaginer tirer les deux autres films, le film italien et le film canadien, dans peut-être d'autres livres qui seraient de nouveau des prolongements de la presse? Excusez-moi, en fait, c'est pas pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais j'aime bien l'idée qu'il y a des films qui ont décidé autrement. Et là, finalement, cette rencontre avec cet instituteur suite à une lettre. Que j'ai reçu, c'était complètement inattendu et ça a donné lieu à un livre. Donc, je fais tout à fait confiance à la vie pour me proposer des sujets, me donner des idées, et donc pourquoi pas. Ben, je crois que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Laetitia Colombani. Merci à vous pour votre écoute.